Elsa avec Planète Français, son école de français en ligne. Bonjour chers étudiants de français, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un temps très spécial, le futur antérieur. Alors pourquoi spécial Je dirais plutôt mystérieux parce que souvent vous me posez cette question Elsa, quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur, dans quelles situations peux-tu nous expliquer Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des situations qui pour moi sont les plus importantes et les plus utiles, les plus fréquentes aussi. Et je ne vous parlerai pas des utilisations archaïques que l'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui. Allez, on y va, on commence. Tout d'abord, vous devez apprendre à bien conjuguer le futur antérieur. Donc, c'est un temps composé avec un auxiliaire et un participe passé. Vous pouvez avoir l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Le participe passé est le même que celui que vous utilisez pour le passé composé. Donc, vous le connaissez déjà la conjugaison de l'auxiliaire est au futur simple donc vous devez connaître bien sûr bien évidemment le futur simple avant d'apprendre le futur antérieur c'est évident. On va revoir ensemble rapidement la conjugaison au futur simple des auxiliaires. donc l'auxiliaire à avoir, J'aurai, donc j'aurai compris, tu auras compris, il aura compris, elle aura compris, on aura compris, nous aurons compris, vous aurez compris, ils auront compris et elles auront tout compris. <laughs> Ensuite, euh, l'auxiliaire être, donc je serai, euh, je serai, je serai descendu, tu seras descendu, il, elle, on sera descendu. Nous serons descendus, vous serez descendus, ils seront descendus, elles seront descendues. Voilà pour la conjugaison. Maintenant, on va voir les utilisations. La fonction principale du futur antérieur est d'exprimer l'antériorité, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est l'antériorité C'est quelque chose qui va se passer avant une autre chose. Donc là, vous avez, imaginons, un, une action au futur. Donc, je rentrerai. Eh bien, si on veut parler d'une autre action qui s'est passée avant celle-ci, on utilisera le futur antérieur. Donc, avant. Antérieur, ça veut dire avant. Donc, je rentrerai quand j'aurai terminé. Donc, je vais d'abord terminer avant de rentrer. Donc, je rentrerai, je rentrerai futur simple. Quand j'aurai terminé, futur antérieur. Vous pouvez aussi changer la position des deux parties. Vous pouvez dire, je rentrerai quand j'aurai terminé. Ou bien, quand j'aurai terminé, je rentrerai. Vous pouvez changer. D'accord La première que vous utilisez est mise en avant. Donc, elle est un peu plus importante. Voilà. Pour vous aider à savoir comment l'utiliser, eh bien, vous aurez des petits indices, des petits mots qui vont exprimer la temporalité et qui vont vous donner une indication de l'utilisation du futur intérieur. Par exemple, quand on aura « quand », vous l'avez vu dans l'exemple précédent, mais aussi quand on utilise « dès que »,« une fois que »,« lorsque »,« après que »,« tant que ». Aussitôt que... Donc ces petits mots-là vont souvent introduire le futur antérieur. Vous allez me dire, Elsa, merci pour la liste, mais peux-tu nous donner un exemple Bien sûr, voici un exemple, je vais le lire. Alors, j'irai dormir quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Donc là, on a le quand. Dès que je serai rentrée. Là, on a des queues. Une fois que j'aurai garé ma voiture. Donc, le début, c'est toujours j'irai dormir. J'irai dormir une fois que j'aurai garé ma voiture. Euh, bien sûr. Logique. Euh, lorsque j'aurai posé mes affaires. Après que ma femme m'aura raconté sa journée. Aussitôt que les enfants seront montés dormir. Voilà, vous voyez tous ces petits mots-là peuvent vous donner une indication du futur antérieur. Et ça, c'est important pour vous. Notez, et ça, c'est intéressant, que si vous avez après que et que vous avez le même sujet dans les deux parties de la phrase, on va remplacer le futur antérieur par l'infinitif passé. Par exemple, j'irai dormir après avoir raconté ma journée à ma femme et on ne va pas dire.. J'irai dormir après que j'aurai raconté ma journée à ma femme. Ce n'est pas une grosse erreur si vous faites cette erreur et que vous utilisez le futur antérieur ici, mais il est quand même préférable d'utiliser l'infinitif passé quand les deux sujets sont les mêmes. Je, je, tu, tu, nous, nous, vou, vous, vous. Voilà, vous avez compris. On continue avec la deuxième utilisation. La deuxième utilisation, c'est quand on va exprimer une action qui est déjà terminée à un moment précisé par des mots tels que bientôt. Donc, l'exemple, j'aurai bientôt reçu mon diplôme. Avant plus un temps précis. Donc, je serai rentré avant minuit, avant demain, avant l'année prochaine. -da 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 -da. Vous avez compris la logique. Dans, dans plus un temps précis. Donc, j'aurais fini dans cinq minutes, j'aurais fini dans une heure, j'aurais fini dans une semaine ou dans une année. Voilà. Et puis, à plus un temps précis. Donc, par exemple, à 15 heures, j'aurais déjà mangé. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on a le mot déjà qui va aussi nous donner une indication du futur antérieur puisque ça nous indique que l'action est terminée avant que je puisse faire l'autre action. Au futur donc à 15 heures j'aurai déjà mangé donc, quand quand la montre l'horloge va indiquer 15 heures eh bien l'action sera déjà passée déjà faite j'aurai déjà mangé donc vous voyez pourquoi on utilise le futur antérieur ici dans cette situation Troisième utilisation qui parle aussi d'antériorité, hein, parce qu'il y a toujours cette idée d'antériorité avec le futur antérieur, c'est certain. Donc c'est l'hypothèse dans le futur avec une idée d'antériorité. Par exemple, si tu rentres tard, je serai déjà monté me coucher. Donc on a cette hypothèse avec « si », si tu rentres tard, c'est pas certain, mais peut-être. Et puis la deuxième action, elle sera déjà accomplie, elle sera déjà finie quand la première action euh, arrivera. Donc, si tu rentres tard, je serai déjà, je serai monté me coucher avant. Je serai déjà monté me coucher. Donc, le futur antérieur avec l'auxiliaire être. Pourquoi l'auxiliaire être Parce qu'on a le verbe monter, et ça vous connaissez déjà la liste des verbes avec l'auxiliaire être. Hein. Sinon, bah, réviser le passé composé d'abord. Deuxième exemple, si tu me téléphones à 18h, c'est bien, je serai déjà arrivé à l'hôtel. Donc je serai arrivé à l'hôtel avant 18h. En tout cas, à 18h, je serai arrivé. Donc ce sera déjà fait. Quatrième et dernière utilisation importante, encore avec une idée d'antériorité, c'est quand on fait un bilan à la fin de quelque chose, par exemple à la fin d'une vie, à la fin de la vie de quelqu'un, d'une personnalité célèbre. Donc vous allez l'entendre assez régulièrement dans les documentaires qui retracent la vie d'une célébrité ou d'un personnage historique. Donc, par exemple, elle aura été une grande actrice jusqu'à la fin. Elle aura fasciné les spectateurs toute sa vie. Elle n'aura jamais déçu son public. Vous voyez ici, on utilise le futur antérieur parce que on se place à la fin de la vie, à la fin de sa vie. Donc, quand on fait un bilan, quand on, on se rappelle tout ce qu'elle a fait, on utilise le futur antérieur. C'est peut-être l'utilisation qui, pour vous, peut, peut sembler bizarre parce qu'on parle de quelque chose au passé en utilisant le futur antérieur. Voilà. Il faut s'habituer à ça. Vous l'aurez de temps en temps. Pas nécessairement, mais c'est possible que vous le rencontriez. Je ne pense pas que vous l'utiliserez, mais vous pouvez le rencontrer dans ce sens-là. Un autre exemple. Cette cérémonie aura été un succès. Et aura apporté beaucoup de joie aux participants. Donc là, je ne parle pas d'une personne, mais je parle d'un événement. Donc c'est possible aussi de faire le bilan, la rétrospective, le bilan d'un événement. Voilà, chers étudiants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous êtes étudiant de mon école Planète Français, vous aurez plein d'exercices pour pratiquer aussi une fiche récapitulative pour bien mémoriser. Si vous n'êtes pas encore étudiant de Planète Français, eh bien je vous conseille d'aller regarder sur mon site web la description de mon école et vous pouvez de toute façon recevoir des cadeaux gratuits si vous préférez attendre avant de vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis a très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, ciao